Bon, hier, on était arrêté au Carrefour ici vers les 22h et quelques. Donc, on a vu un camion, il venait quitter Carrefour Kosa et descendant notre Carrefour. Donc, on a vu, bang, on est venu la première position. On a trouvé les gens tombés ici. Bon, il y a une fille qui était là, bon, moi je l'ai pris. Donc, deuxième fille encore, notre, mon petit aussi a pris, on a embarqué dans Bombona. On est parti maintenant, les motos trois finies là. On est parti jusqu'à Sino-Guinée, on a fait descendre les deux filles. Donc, les deux filles là, on est rentré dans la cour, vraiment les gens de l'hôpital, ils ont venu nous aider, on a fait rentrer les deux filles là dedans. Mais avant que ça se passe d'abord, j'ai trouvé les filles là ici. Bon, il avait l'argent dans son soutien ici, 150 000 francs. J'ai pris ça, on l'a envoyé à l'hôpital. Donc maintenant, on est arrivé là-bas. Le deuxième fille qui est rentré, lui, il est décédé sur place. Deuxième fille, l'autre fille, lui n'était pas décédé. Ils ont fait les perfusions sous ses mains. Maintenant, ils ont pris notre coordonnée. Donc nous, on était venus à Nongo maintenant. Donc avant qu'on arrive, il y avait les motards en bas des camions, sous le véhicule. On a fait sortir ça encore, donc avec des apprentis. Et ils ont parti à l'hôpital. Donc on était là jusqu'à 4 heures. Donc le matin, là aussi, je suis venu. C'est trois personnes pour le moment. C'est ça qui est décédé.